Ouais, donc je relance la vidéo. Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai vu à peine de relancer la vidéo. Justement, pour vous donner de mes nouvelles, nous sommes à cette date aujourd'hui. Novembre 2017. Voilà, justement, vous donner le programme de la semaine. Ce week-end, je serai en Italie. Voilà, je serai en Italie ce week-end. Vous appelez, n'est-ce pas? Je serai en Italie ce week-end. Tous ceux qui ont des soucis de sorcellerie, tous ceux qui ont des maladies incurables, tous ceux qui souffrent de... qui ont une maladie quelconque, incurable et tout ça, tous ceux qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, ne ratez pas ce programme d'Italie. J'arrive demain en Italie, demain le 23. Et le programme dépend à partir du 24, 25, 26. Voilà, donc soyez tous en Italie. Un programme de délivrance et de restauration. Ça sera quelque chose de très balèze. Je serai demain en Italie. J'arrive demain en Italie. Et le programme démarre à partir, n'est-ce pas, de... démarre le programme à partir du vendredi. Un programme de taille où Jésus-Christ aura l'occasion de te guérir et Jésus aura l'occasion de te délivrer et Jésus-Christ aura l'occasion de te restaurer. Il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Ouais, chacun homme de Dieu a sa grâce. L'onction sur ma vie, c'est la destruction des œuvres, la sorcellerie. Pour nous, il faut que la diaspora émerge. Pour nous, bientôt c'est en fin d'année, nous sommes bientôt en fin d'année. Et c'est une occasion pour, bien sûr, ceux qui ne respectent pas les êtres humains, qu'on appelle les sorciers, c'est pour une occasion de faire aussi, d'acheter des moutons. Vous voyez, d'acheter des moutons et de transformer les gens des poulets à des canards, ils les transforment. Vous comprenez? Voilà, donc, pour ne pas que tu sois bouffé par un sorcier. Un sorcier qui ne s'est jamais brossé, qui est moche. Lui va vouloir manger ta chair. Il va vouloir te bouffer. Il va vouloir te programmer comme poulet, ou bien mouton, ou bien canard, ou pétale. Si tu veux, peut-être abouti, ou bien biche de fin d'année. Voilà, ne rate pas. Ne rate pas parce que Dieu m'a envoyé sur ce continent européen pour aider la diaspora à pouvoir s'en sortir. N'est-ce pas? Priez spécialement pour vous, pour que la puissance de Dieu, pour que la puissance de Jésus-Christ puisse vous délivrer des œuvres de la sorcellerie, pour que vous puissiez traverser 2018, afin que 2018 soit pour vous une année de gloire, une année de restauration. Vous comprenez? Donc ne ratez pas ce programme-là. Ce programme de taille. Priez pour vos business. Priez pour vos affaires. Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, prospérer. Parce que Dieu aimerait que vous prospérez. Pour celui qui n'a pas de papiers, qu'il y ait des papiers. C'est tout à fait normal. Parce que ici, si tu n'as pas de papiers, chat, ou bien Milou est mieux que toi. Vous comprenez? Donc, ne ratez pas ce programme de taille. Ne ratez pas ce programme. La puissance de Dieu viendra te délivrer et cette puissance de Dieu apportera une restauration à ta vie. La puissance de Dieu viendra pour t'apporter toute la restauration. Voilà, donc Italie, ne rate pas ce programme. Les Italiens, ne ratez pas ce programme. Voilà, j'arrive demain en Italie. Je serai demain en Italie. Et ne ratez pas. Nous allons mater les bougnons. Faut pas qu'on vous mange. Faut pas que les sorciers vous mangent. Vous devez traverser l'année 2017. Vous ne devez pas être les moutons des sorciers. Vous n'êtes pas que vous soyez des moutons des sorciers. Il faut qu'on prie pour vous. Si une prière n'a pas été faite, si quelque chose, une déclaration n'a pas été faite sur ta vie, mais ils vont te manger. Il faut qu'une parole soit prononcée et que le sorcier comprenne que toi, tu n'es pas n'importe qui, qu'il y a une proclamation qui a été déclarée sur ta vie. Ne ratez pas ce programme d'Italie. Les paralytiques marcheront ce jour-là. Ceux qui auront le cancer seront guéris.
Il y aura des miracles pathétiques dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce qui va se passer en Italie sera trois fois ce qu'on a vu à Lyon. Paris, ça sera 10 fois. Ne ratez pas les Italiens. Personne ne viendra décider pour toi. Parce que le salut, il est personnel. C'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Alors si tu veux dormir, les sorciers vont te mettre dans une sauce plala et te manger du cabato. Soit ce programme, les contacts sont déjà dites de Davidio. Voilà, donc ne ratez pas ce programme d'Italie. Voilà, j'en profite pour dire merci au comité d'organisation d'Italie. À la tête, Donny Champion, le pasteur Armand Riverbania. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Recevez toute la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu chez vous. Et comme je disais hier, avant-hier, le Seigneur m'a mis à cœur de rabaisser le prix des livres pour que tout le monde ait accès à ce livre-là. Donc désormais, le livre coûte 50 euros. Voilà. Désormais, le livre est à 50 euros. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Recevez cette onction spéciale. Voilà. J'appelle tous mes enfants spirituels. Tous les enfants spirituels. Tous les enfants spirituels de Florence, de Miami, n'est-ce pas, de Verbania, n'est-ce pas, de Saint-Bonifacio, tous ceux qui sont enfants de, les enfants de Dieu, ceux qui sont révoltés contre le phénomène de la sorcellerie, ne ratez pas ce programme, c'est un programme de taille, j'ai besoin que vous soyez là. Dieu vous invite dans ce programme de taille pour apporter, n'est-ce pas, une restauration et pour vous délivrer. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Ça sera du balèze en Italie. Ça sera du balèze en Italie. Voilà, quelque chose de très balèze. Je suis avec le chef d'état-major. J'en profite pour saluer Donny Champion et le pasteur Armand. Le pasteur d'Armand de Verbania. Voilà, donc ne ratez pas ce programme de taille. Voilà, recevez la puissance de Dieu chez vous. Tu dois t'élever et venir à ce programme. Tu n'arrivais pas à enfanter, ça sera pour toi une occasion d'avoir des enfants. Il y a eu trop de témoignages des personnes qui nous ont appelés, n'est-ce pas, qui avaient des problèmes de cancer. 5 jours après la croisade, la convention, il y a eu des miracles pathétiques. Des miracles pathétiques. Il y a une dame, une sœur, n'est-ce pas, qui avait un problème de fibrom. Elle a bu l'huile pendant 3 jours. Elle a réussi à boire toute la bouteille pendant 3 jours. Et le 5e jour, le 4e jour, déjà son ventre a commencé à faire mal. Elle allait aux toilettes, tout est sorti comme si c'était un bébé qui est sorti. Et elle a fait les examens. Elle a été totalement guérie. Elle viendra rendre son témoignage à Paris. Donc il y a trop de témoignages. Il y a trop de témoignages. Les gens nous appellent, nous rendent des témoignages. Il y a des témoignages pathétiques. Voilà, il y a des témoignages pathétiques. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont déjà allées à Mauritanie après ce programme. Les gens ont prié. Ceux qui étaient si heureux, ils sont morts. Donc ne ratez pas ce programme de taille. Ce programme-là, c'est un programme de taille. Je suis malade. Je suis à l'insuffisance rénale. On t'a déclaré, n'est-ce pas, stérile. Tu n'arrives pas à voir tes papiers. Tu n'arrives pas à te marier. Ne rate pas ce programme. C'est un programme de taille. Et après le programme d'Italie, nous serons sur Paris. C'est l'évasion totale sur Paris. Nous allons posséder Paris. Nous allons remuer Paris. Nous allons mater la sorcellerie de Paris. Toute la brigade dans le monde entier va descendre à Paris. À partir du 8 et du 9, tous les enfants spirituels du Canada,
les États-Unis dans le monde entier seront à Paris à partir du 8 et du 9. Mais pour là, il s'agit d'Italie. J'en profite pour dire Shalom, Amélie de Paris, voici un fils spirituel. Voilà, je suis avec tous les brigadiers ici. Voici un colonel ici. Nous, on a, chez nous aussi, là, c'est les officiers. Tu ne peux pas être un officier dans la brigade, c'est pas possible. C'est une unité spéciale. Nous, ce sont les officiers. Voici celui qui garde la poudrière. Salut. Qui fait décoller les Mi-24. Voilà. Je vous aime. Et je suis là pour vous. Jésus-Christ aimerait vous guérir encore, vous délivrer, vous restaurer. C'est ce qui est vrai. Voilà. Donc là, c'est Lyon. Ouais. Ouais, demi-tour, c'est là-bas. On continue, on va à casino. Je salue le grand comité d'organisation. Tous les enfants. Séraphine. Donne champion. Pasteur, tous les enfants de Milan. D'Asti, tout le monde, recevez mes salutations et ne ratez pas ce programme de taille. C'est un programme de taille à l'Italie. Priez pour toute la situation de Libye. Mais il n'y a plus pire que Libye, je ne vais pas me prononcer. Sinon, nous prions pour des gens. Voilà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions déjà pour la Libye, les choses vont se normaliser. Mais en même temps, souvenez-nous de nos soeurs qui sont au Liban, de nos soeurs qui sont aussi au Koweït, qui sont en train de subir l'esclavage sexuel au Koweït. Recevez toute la grâce de Dieu. Voilà. Je vous parle de mon appel. Je suis né pour servir Jésus et non Satan. Le temps est un miracle. Shalom, shalom. Recevez la bénédiction du Seigneur. Voilà, là je suis sur mon compte Facebook. Et recevez la grâce du Seigneur. Soyez bénis. J'annonçais effectivement le programme d'Italie. Ouais, salut Mi. Ben de Miami. Shalom. À tous ceux qui sont révoltés, désormais il y a une page Facebook. Cherchez révolter contre la sorcellerie. Et cliquez, soyez amis à cette page. Parce que nous allons commencer à alimenter cette page. Voilà. Pour tous ceux qui suivront cette vidéo, allez sur Facebook, il y a Révolter contre la sorcellerie, c'est une page que je viens de créer. Vous cliquez là-dessus, vous aurez toutes les informations. Et nous allons, n'est-ce pas, au fur et à mesure, vous allez envoyer vos sujets de prière sur cette page. S'il y a quelqu'un qui vous emmerde, amenez ça sur cette page. Regardez, allez sur Facebook, Révolter contre la sorcellerie. C'est une nouvelle page que nous venons de créer. Voilà, donc nous invitons tout le monde à être amis, ceux qui sont bien sûr révoltés contre la sorcellerie, à être amis. Comme ça, vous aurez, n'est-ce pas, nos directs dans ces temps-ci. Voilà. Donc, c'était mon coucou pour donner une information de taille. J'ai mis Révolter contre la sorcellerie, cette nouvelle page. Facebook, quand je vais le créer, il y a maintenant 2 jours. Voilà. Donc, allez, soyez amis, cliquez, j'aime, c'est tout. Vous êtes abonné à cette page. Vous allez voir des enseignements de taille. Parce que bientôt, on va vous donner des secrets. Comment le diable travaille. Comment, à partir de cette page, vous donner toutes les informations possibles. Voilà, on va vous donner toutes les informations possibles, comment la stratégie de la sorcellerie dans les différentes régions, dans les différents pays. Maintenant, pour que vous soyez, n'est-ce pas, informés sur comment le diable travaille dans chaque pays. Voilà, révolter contre la sorcellerie, voilà. C'est la nouvelle page.
Ouais. Voilà, donc on va vous donner, vous cliquez, abonnez-vous à cette page. D'ici quelques jours, début de la semaine prochaine, nous allons commencer à vous donner les informations. Dans les différents pays, nous allons recevoir des informations des différents pays, comme à la sorcellerie Bantan. Ceux qui sont centrafricains nous apportent les informations de Centrafrique. Ceux qui sont au Bénin nous apportent l'information du Bénin. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bien sûr, on va vous apporter l'information. Au fur et à mesure, vous donner des informations, n'est-ce pas, adéquates pour que vous soyez au même niveau d'information. En Europe, quels sont les pays qui sont, n'est-ce pas, impliqués dans le système de l'Antichrist, qui vont les mettre bientôt en exécution? Nous allons vous expliquer tout ça sur la page. C'est ça que ça s'est créé. Oui, amen, amen. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Voilà. L'homme n'est plus à dormir. Il faut qu'on vous informe. Voilà. Même si on nous insulte quand même, même si on parle mal du prophète Crasso, mais au moins, reconnaissez que le prophète Crasso vous a ouvert les yeux sur la sorcellerie. Grâce à moi aujourd'hui, du moins, tu es passé par moi pour vous montrer que la sorcellerie est une réalité et on peut être délivré de la sorcellerie. Voilà, donc bon, abonnez-vous à cette page. Désormais, révoltez contre la sorcellerie. Allez, abonnez-vous à cette page et tous les révoltés contre la sorcellerie. Au fur et à mesure que vous avez une image de la sorcellerie du Bénin, amenez-nous sur cette page. Nous informerons les gens et au fur et à mesure, vous donnez des informations. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons recevé la grâce de Dieu. Shalom.